cette vaste série de frappes russes ce matin en Ukraine qui a fait au moins un mort, 15 blessés. Kiev a été visée, des explosions ont été entendues à la capitale. Mais il y a quelques instants, Cyril Amorski sur place. Et des frappes qui montrent que le pays a besoin de plus d'aide, c'est ce que déclare à l'instant le chef de cabinet du président ukrainien dans un message posté sur Telegram. J'ai vécu un holocauste, les mots de Miyachem qui sort du silence. L'a accueilli pour la première fois deux enfants palestiniens blessés. Ils sont arrivés en France hier, pris en charge. Après le Colorado, c'est l'état du Maine qui l'a déclaré inéligible à la primaire républicaine, considéré comme inapte. À Saint-Gervais-les-Bains en Haute-Savoie, hier, un groupe de plusieurs skieurs qui faisaient du hors-piste quand ils se sont... La nouvelle arrive au pire moment de l'année, à quelques jours du réveillon. Les huîtres du bassin d'Arcachon ont été interdites à la vente, c'est la prévision. Des huîtres. Et pour beaucoup d'entre vous, de l'alcool sûrement le soir du nouvel an. Plus de 8 Français sur 10 comptent en compte. Ces vainqueurs de la mythique descente de Bormio en Italie, il s'est imposé à l'issue d'une course, vous allez le voir, parfaite. Impuissante certes, mais tout aussi impressionnante, je vous l'assure. On est rassurés au moins, je pense qu'il peut tout conduire cet homme, oui. En effet. Merci beaucoup Lydie. Oui, souligné.